Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la salle d'Hélène Boucher pour cette 13e journée de championnat Pro B, messieurs. Pour l'équipe de Tours pour ce soir, il est brésilien, il a 37 ans, il est numéro 44 mondial, il a participé au dernier JO de Tokyo, sa première saison à Tours, Gustavo Tsuboi. Deuxième joueur de la formation de ce soir, il est français, il est 144 français. Il est depuis très très longtemps au club de Tours, il a été champion de France en jeune, Clément Desbrouillères. Troisième joueur de la formation de Tours ce soir, vous le connaissez, il a évolué sous les couleurs rouennaises. Il a été champion de France en double messieurs avec Quentin Robineau. Il a été vice-champion de France senior en 2018 avec les couleurs de Rouen, plusieurs fois champion d'Europe en jeune, Enzo Engles. Quatrième joueur de la formation, c'est un jeune que vous connaissez aussi, il est déjà venu à Rouen pour une manifestation Pink Tour. Il est 84 français, il a 21 ans, champion d'Europe junior aussi par équipe en 2018, médaillé de bronze en junior au CEJ en 2019, Lilian Bardet. Le coach de cette valeureuse équipe Tourangelle, David Rigaud. Pour votre équipe, l'équipe de Rouen, on applaudit bien fort. Il revient d'un périple mondial, c'est-à-dire qu'il était à Singapour et à Doha, Ahmed Desai. Dans son sillage, dans les mêmes valises, pour ne pas faire le jeu de mots, il est belge, lui aussi a fait un petit tour en avion, Martin Allegro. Un autre joueur plus jeune lui a fait un autre tour aussi, mais en version jeune, Louis Lafineur. Tout ce beau monde ce soir sera accompagné, comme à l'habitude et comme à l'accoutumée, par la doublette infernale Yann Fan et Jérôme Bago. La rencontre sera arbitrée par Monsieur Rossignol et Monsieur Dominique Boucher. Mesdames et messieurs, bon match, que le meilleur gagne, et à tout de suite pour la suite des hostilités.